C'est là que je me suis quand même demandé où j'avais bien pu atterrir. Bonjour, bonjour mes chers amis. Cette semaine, je vous prends encore dans mes valises, direction l'Amérique. Et c'est le rêve absolu puisque nous allons voyager en restant ici, en Bourgogne-Franche-Comté. Ben oui, je l'aime ma région. Ah, l'Amérique, ses grands espaces, ses sportifs, sa musique, sa gastronomie. Non, pas sa gastronomie. En tout cas, la culture US est bien représentée en Bourgogne, je peux vous le dire. Gospel, vieille voiture, cheerleading, dance country, tout ça, je l'ai testé pour vous. C'est ici, c'est maintenant. Et puis c'est là, naturellement. Dans la boîte à l'image. Là. Pour débuter mon aventure américaine, je me rendais à Dijon. Et oui, le rêve américain passait par la Cité des Ducs. J'avais rendez-vous avec Evelyne et Nicole, deux passionnés de danse country. Le chapeau et les bottes de cow-boy allaient être de rigueur. Hi-ha ! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Est-ce qu'il y a beaucoup de pas de danse à retenir? Ce qu'on a fait là, c'est une toute petite partie, j'imagine. C'est compliqué, oui et non. Enfin, ça dépend de la motivation qu'on a, je dirais. Toujours. Moi, je danse depuis 20 ans bientôt, mais je progresse toujours. Enfin, du moins, j'ai l'impression, et j'essaie tout du moins. Mais c'est pas si facile. Qu'est-ce qui donne envie aux adhérents, justement, de vous rejoindre? Est-ce que c'est une certaine image de l'Amérique, de cette l'imagerie, le chapeau, les Santiago, la musique? Ou est-ce qu'on se dit, ben voilà, c'est ça, on est à la recherche d'une activité? Je pense que c'est un peu tout. C'est le fait que c'est une activité qui demande de faire travailler sa mémoire, puis en même temps ses jambes. Donc c'est bien ça, ceci les deux. La tête et le corps. Et puis les gens qui aiment danser, le problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes. Et la danse en ligne, on peut danser tout seul. Respectez bien vos lignes, s'il vous plaît. Dès que la musique démarre, 8 comptes. 3, 4, 5, 6, 7, 8. I'll be the soldier out on the front line. You be the courage in my heart to fight. I'll be the outlaw bounty on my head. You be my shelter, a safe place to rest. Et le taille. Début. Bon, mais alors, Nicole, mais toi, tu pars tout le temps aux États-Unis? Alors, c'est vrai qu'on est déjà parti 4 fois aux États-Unis. Oh là là. On retourne au printemps au Texas. Et là, on va voir les vrais cow-boys, les vrais cow-boys. Génial. On va passer 2 jours dans un ranch avec vraiment des vrais cow-boys. Ça te fait rêver? Et puis, ça fait rêver, forcément, forcément. Tu vois, on a déjà le look et autres, donc on va voir les vrais Texans. Toi, tu as le look travaillé, étudiant. Tout le temps. T'es en blanc, le chapeau, les Santiago, les vrais Santiago. Regardez, c'est vrai, elles sont oui, c'est vrai, ces les vrais Santiago. C'est vraiment top, quoi. C'est la Santiago telle qu'on... Ah ouais, elle remonte bien. Super. Tout à fait. D'où ça te vient? Tu es tout le temps comme ça? Quand je donne des cours, alors je suis habillée comme ça, sauf le chapeau, c'est vrai, je ne mets pas de chapeau. Mais les soirées, c'est vrai que pour les soirées, je m'habille toujours en country pour les soirées. Alors, écrit les pas de danse? Alors, il y a des chorégraphes qui peuvent être français, américains, anglais, qui viennent d'irlandais aussi, parce qu'on a aussi des danses un peu irlandaises. Et c'est vrai qui écrivent ces chorégraphies. D'ailleurs, tu peux remarquer que tout le monde danse la même danse. Mais c'est ça qui est impressionnant. Voilà. Et nous, on suit vraiment les fiches de danse du chorégraphe. On fait exactement la même chose. Ce qui fait que quand tu vas, par exemple, dans n'importe quelle région de France, tu vas danser des danses des chorégraphes, tu vas danser la même chose. Les tu peux aller dans danses. Le sud ou dans le nord, tu peux danser les mêmes danses. Donc en fait, il y a une sorte de partition quoi, hein, pour danser la country qu'on suit. Ben, merci de m'initier, Nicole. Merci, au plaisir. Hein, tu peux venir quand tu veux. La danse country a ses fans en Bourgogne. Et ils sont nombreux. Le club de Nicole et d'Evelyne a été créé il y a 10 ans. Il compte aujourd'hui près de 80 membres et des bals sont organisés quasiment tous les week-ends dans la région. Et là, on fait un quart de tour pour être sur le mur de départ. Merci.
ces quelques pas de danse m'ayant mise en jambe, je poursuivais mon exploration du continent américain, bien décidée à étancher ma soif de connaissances. Je traversais Dijon d'un pas sûr et me dirigeais vers le quartier des Halles. C'est un pan obscur de l'histoire américaine, source de bien des fantasmes, que j'allais à présent explorer. L'histoire d'Al Capone et des affranchis, celle de la Prohibition. Rendez-vous était pris au Speakeasy, nom donné au bar clandestin de l'époque. Jean-Charles, le boss, et Jordan, le barman, allaient me révéler les secrets de ces lieux mystérieux où furent créés les premiers cocktails. Ah, les Speakeasy, ouais, c'est un nom commun en fait. C'est devenu un nom commun suite à la Prohibition où c'était vraiment des bars cachés à l'époque. Donc c'était vraiment caché. Tu rentrais par des souterrains. On parlait pas fort ou on parlait facilement une fois qu'on avait bu. Et, d'où le nom Speakeasy. D'où Speakeasy, voilà. Et ceux qui avaient la main mise sur les Speakeasy, c'était toutes les bandes, Al Capone, les familles Gina, qui étaient des familles siciliennes. Ouais. Trêve de bavardage, j'avais la gorge sèche. Jordan, le barman, se mettait rapidement en action. Chaque ingrédient était dosé avec précision. Vodka, jus de tomate, sauce pimentée, il démarrait avec le Bloody Mary. Whisky, vermouth italien, liqueur de sureau, il enchaînait avec un Manhattan. Un cocktail créé en 1870 dans un club new-yorkais en l'honneur d'un candidat malheureux à la présidence américaine. Mais vous me connaissez, je ne pouvais pas rester sans rien faire. Et à ma grande joie, je passais derrière le bar pour secouer le shaker. Ah, du coup, le principe, c'est tout bête. Il suffit de poser ses deux doigts comme ceci. Ah d'accord, d'accord. Et une position, c'est pour éviter qu'avec la pression, la petite capsule s'en va. Donc, comme ceci. Ouais. Ensuite, on vient bien serrer avec son pouce ici. D'accord. Et serrer très fort. Et on shake. Face à soi. Toujours comme d'accord. Ceci. D'accord. Un petit coup sec. On est plus ferme. Ça fait de la musique, c'est sympa. Ça me va bien ou pas? Ça me va bien, ouais. Ouais. Ça va aller, tu penses? Là, bon, c'est checké, c'est super. Ah, quand même au cas où. Un peu plus ferme. Ouais. La dextérité du geste. Est-ce que tu as déjà mis les épices? Pas encore. Alors j'en ai déjà mis un tout petit peu. Oui. On peut toujours en rajouter à la fin, suivant le client. C'est lui qui a ça à sa disposition. Un peu de citron. On peut. Petit citron. Ouais. Céleri. Un petit céleri qui voilà, va. C'est là. Ma petite soupe. Et ensuite on peut mettre. C'est pas très. C'est pas très tiède quand même. Hein. Tu vois, c'est le principe du Speakeasy. Voilà. C'est ça. La prochaine fois, je pourrais l'avoir dans un bol, s'il te plaît, qu'il te Pour accompagner nos cocktails, Jean-Charles m'offrait un cigare. En chocolat, bien sûr. Et décidément, il avait le sens de l'hospitalité et de l'humour. Je me mettais en route vers ma prochaine étape. À une heure de route de Dijon, je découvrais des forêts, des vallons, des champs et du bétail qui galope en liberté, ou presque. S'il n'y avait pas quelques châteaux ici ou là, on aurait pu se croire dans le Montana. Mais non, nous étions dans le Morvan. À quelques kilomètres de Saulieu se trouve la commune de Molfay. Sur l'ancienne route nationale 6 se cache un petit coin d'Amérique. Une station-service qui transpire le rock'n'roll et sent bon les vieilles américaines. C'est le repère de Pascal, alias Johnny, un passionné, un inconditionnel de Johnny Hallyday, le plus américain des chanteurs français. Ça fait quelques mois que t'es parti maintenant. J'allume cette bougie toujours pour avoir ma petite pensée. Oh, mais j'ai un peu craqué. Pour avoir ma pensée pour lui. J'ai 57 balais, je suis depuis l'âge de mes 17 ans et puis j'ai perdu mon père spirituel. Comme beaucoup, on le dit, ça peut paraître débile pour beaucoup, mais voilà. C'était un deuxième père. On a beau dire qu'on a un seul père dans la vie, mais moi j'en avais deux. Voilà. J'ai celui qui m'a donné la vie et j'ai celui qui m'a donné envie de vivre. T'es parti, mais on pensera toujours à toi.
La station-service de Pascal est unique. Ce pompiste indépendant en a fait un mini-musée de l'Amérique. Son goût pour les États-Unis, Pascal le doit aux chansons de Johnny, mais aussi à ses tournées américaines qui lui ont permis de voyager à travers tout le pays. Et entre les deux hommes, une certaine complicité s'est même tissée au fil des ans. Je vous montre ce disque Gang, fait par Johnny, qui est disque d'or depuis 1985, et qui m'a été offert par Johnny, parce que voilà, on avait parlé un peu, il m'avait trouvé sympa. Il m'a dit, mon prochain disque d'or, je te l'offre. Voilà aussi un autre cadeau de Johnny. La tournée aux États-Unis en moto avec Pierre Richard et compagnie. Donc c'est la vraie chemise que Johnny a eue sur le dos. Pour moi, c'est inestimable. Pour d'autres, ça vaut rien. Mais c'est pas grave. C'est à moi qui l'a offert. L'autre passion de Pascal, ce sont les voitures américaines. Dans sa petite collection, on trouve une Buick Riviera 1976 aux couleurs de Johnny. Un modèle unique en France. On y trouve également une Cadillac Limousine Fleetwood de 1969. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6,20 m. Cette Cadillac-là, elle a été fabriquée à 1240 exemplaires. Hélas, dans certains films avec Clint Eastwood, ils en pulvérisent, alors il n'y en a pas eu beaucoup. Alors, l'intérieur de ma limo, là, ce n'est pas d'origine. Quand on a une vieille voiture, on essaye de garder tout à l'origine. C'est des petits meubles de table de chevet qui sont posés mais pas fixés, donc ils tiennent. Et à l'origine, on a deux petits strapantins avec le même tissu. Et bien sûr, on a la séparation chauffeur, puisqu'à l'origine, bon, c'est une courte, il n'y avait pas d'interphone pour parler comme ça, mais vous aviez la vitre pour pas que le chauffeur écoute de quoi parle son patron derrière. Si ces vieilles américaines pouvaient parler, elles en auraient des histoires à nous raconter. Tout comme Pascal. Alors si vous passez par cette station, arrêtez-vous et vous ferez le plein d'essence en même temps que d'anecdotes. La nuit tombée, retour à Dijon. Mon exploration de la culture américaine passait par la pratique d'un des sports les plus populaires outre-Atlantique, le football américain. Créé en 1990 par deux militaires de la base aérienne de Dijon, le club des Fenris compte aujourd'hui 350 licenciés et une section flag du foot US mixte et sans contact que j'avais hâte d'essayer. C'est quoi la particularité du flag ? Le principe, c'est exactement le même que le foot US, sauf qu'au lieu de plaquer quelqu'un, on vient retirer le fanion qui est accroché à l'arche. Ok, il faut attraper le pompon. Tout ça. C'est exactement ça. Traditionnellement, le flag compte combien de joueurs par équipe ? C'est du 5 contre 5 sur le terrain. Et du coup, une équipe, on va dire, ça va être entre 10 et 15 joueurs. Clestan Chazuc, vous allez avoir une nouvelle joueuse. Pour l'instant, le DB va juste faire départ en back pédale dans sa zone. Le QB choisit un plot. Il oriente bien ses épaules, histoire de montrer où va jeter. Donc c'est OK pour tout le monde ? Oui, coach. Ok, je n'avais rien compris. Mais tant pis, je décidais de me lancer. Il faut bien un début à tout. J'ai failli t'enlever ton short. Ah, je suis sortie. Qu'est-ce qui te plaît? C'est la stratégie, la technique, le fait qu'on doit forcément travailler ensemble pour pouvoir avancer. Mais comme beaucoup de sports d'équipe, non? Voilà, c'est un peu ça, mais il y a aussi ce côté, on joue avec des garçons. Ah ouais, mixte. Voilà, on doit montrer ce qu'on vaut, voilà, à côté des garçons, et voilà. Et je lève le bras. Tu lèves le bras avant que le jeu parte, et tu n'as pas le droit de partir avant que la balle soit soulevée de terre. Allez, go, vas-y, va fond. Oh merde. C'est fini pour moi le flag, il est temps d'aller de l'autre côté. On va aller voir les joueurs de football américain. Il y a un peu plus de contact, on va aller voir quelles sont les différences avec le flag. Mais là, je vous garantis pas de m'intégrer aux équipes.
Au football américain, l'objectif est de franchir la zone d'en-but avec un ballon ovale que l'on se passe à la main. Autrement dit, c'est un peu comme le rugby. Sauf que cela se joue à 11 contre 11, qu'après un plaquage, le jeu s'arrête, qu'on peut se passer le ballon en avant. En fin de compte, ça n'a plus grand-chose à voir avec le rugby, hein. Ouais, c'est pas mal ça, c'est pas mal. La différence qui saute aux yeux, c'est l'équipement. Au football américain, on se protège car les impacts sont hyper violents. Et j'ai vite compris que ce sport, c'était du sérieux. Allez Arnaud, je veux pas avoir de fumble sur le snap. Verrouille-moi ta balle à deux mains. Pas la même chose que l'année dernière, hein. C'est qui le garde gauche là? Viens, change avec Nino. Paul, reste focus gros. Locatelli, focus, la balle. Quel est le sport qui est né le premier, le flag ou le foot américain? C'est le foot. Mais là, en fait, en gros, à l'époque, c'était vraiment... vous aviez 9 joueurs, en fait, dans la première ligne chargés de se taper dessus. Et en fait, 2 joueurs derrière, donc un qui donnait la balle à celui derrière qui avançait et ça avançait tout droit, quoi. C'était un tractopelle contre un rouleau compresseur, quoi. Donc c'était ça. En fait, non, mais il faut savoir que c'est grave, mais il y avait des morts à l'époque parce qu'ils étaient mal protégés et puis ils y allaient vraiment comme ça. Ils n'avaient pas les équipements qu'on a aujourd'hui. Non, en fait, ils avaient des casques en cuir, des épaulières en cuir. Donc c'était beaucoup, beaucoup moins sûr, ouais, sécuritaire. Et en fait, du coup, c'est pour ça que la passe en avant, en fait, a été démocratisée. Donc le fait de passer sa balle, parce que vraiment, quasi personne ne faisait ça, en fait. On met vraiment le focus sur la sécurité de nos joueurs. On se permet pas de faire rentrer quelqu'un, justement, qui est pas prêt, pas échauffé, pas physiquement apte sur un jeu. Parce que oui, c'est dangereux, mais c'est pratiqué en sécurité. Il y a tout qui est fait pour que le joueur se blesse pas. On les prépare physiquement, mentalement. On les prépare à prendre un choc, à mettre un impact et à gérer justement tout ça. Sécurité oblige, mon initiation au foot américain s'arrêtait là. Tant pis pour ceux qui espéraient me voir en tenue. Et c'est sous l'hymne des Fenris que je quittais le terrain. Ma nuit américaine allait se poursuivre sur une scène et sous le feu des projecteurs. Mais avant cela, pour rester encore un peu dans le foot US, un petit détour chez les Dijon Cheerleaders s'imposait. Première équipe de cheerleading fondée en France en 2001, championne de France élite en 2012, les Dijon Cheerleaders ont su imposer peu à peu cette discipline inconnue du grand public dans le paysage sportif hexagonal. Attention, ne venez surtout pas leur parler de pom-pom girls, qu'on se le dise, cela n'a rien à voir. Le cheerleading, alors c'est un sport assez acrobatique quand même, assez physique, très gymnastique aussi, qui demande beaucoup de souplesse, de muscles aussi, de force. C'est un sport qui est rigoureux. De toute façon, ça demande une certaine force physique, mais une force mentale aussi. Si on n'est pas carré, si on n'est pas concentré, on risque de faire des blessés. Donc c'est pour ça que dès l'entraînement, en fait, il faut qu'on se mette dans le truc. Il faut que ce soit carré. La tenue de la cheerleader, c'est le nœud déjà pour commencer. L'uniforme, voilà. Donc aux couleurs de notre club, bien évidemment. Et basket. Basket indispensable. Les difficultés sur ce porté, c'est premièrement l'équilibre des flys, parce qu'elles sont quand même sur une jambe dans les mains de filles. Donc pareil, les bases, faut pas bouger, faut vraiment être dur, faut du dynamisme pour qu'on puisse monter. C'est de la force aussi. Dans l'univers du cheerleading, il existe plusieurs disciplines. Outre les portées et les jetés très acrobatiques, il y a aussi le freestyle pomme, de la danse que l'on fait avec des pompons. Vous l'avez compris, il y en a pour tous les goûts. C'est un sport varié et très complet. Et, cerise sur le gâteau, c'est une discipline mixte. Alors messieurs, au diable les préjugés, hein. Les cheerleaders de Dijon attendent vos candidatures.
Mon road trip allait s'achever par un spectacle haut en couleur. J'avais rendez-vous avec Sébastien et les chanteurs qu'il dirige au sein de la chorale Gospel Single. Une formation née sur le campus dijonnais il y a plus de 20 ans et qui compte aujourd'hui dans ses rangs plus d'une centaine de chanteurs. Un festival de notes et une énergie débordante m'attendaient. On y va ? On va commencer la show ? Je vous sens d'humeur taquine. Ah. Profitez-en pour vous aligner et masser votre voisin. Ah bon ? Ah ben j'ai plus personne ! Oh, t'as les mains froides ! Vous êtes dans le mauvais endroit. Ah. On relie au centre. Royal ? Je savais pas qu'on allait me faire masser au gospel. Faites-le en sirène maintenant. Ah bon ? Et on descend là maintenant. Bon, moi j'étais quand même venue pour chanter. Il était temps d'apprendre le morceau du jour. If you want me to have my way. J'en profite, l'accent il est sur want, have, way. Donc c'est dire. If you want me to have my way. 3, 4, 8. Stop trying to fix it. 3, 8. If you say you trust me. Eight. Stop interfering. Eight. If you want me to have my way. That's it, I'm going. If you really believe that I see you through. That's it. Move out of my way. Eight. Let me work it out. Depuis le début. Comment t'as connu le gospel ? Par un spectacle. Tu chantais pas avant ? Un petit peu aussi. Quel style de chant ? Pop rock. Quelle est la différence justement entre le pop rock que tu chantais et le gospel là ? Ah mais là le gospel c'est le phénomène de groupe, le phénomène d'appartenance à un cœur et la convivialité. En concert il y a plein de choses qui se passent entre nous, entre les choristes, c'est rien que par un regard, c'est le bonheur d'être ensemble quoi. Non, mais c'est incroyable, tu envoies comme ça ton énergie, on a l'impression que tu la distribues à chacun. Voilà. C'est vrai qu'on ne peut pas faire autrement. Enfin, je ne me vois pas leur apprendre d'une manière très statique, scolaire. Toi, ce n'est pas moi. Est-ce que les gens, du coup, les chanteurs viennent chercher aussi cette espèce d'exutoire, peut-être, qui leur permet de... Mais c'est tout à fait ça, souffler. Mais beaucoup de gens nous disent, oh, on a passé une journée super embêtante, ça ne me disait pas de venir, moi je suis quand même venue. Et quand je sors de là, j'arrive plus à dormir parce que je mets au moins une heure à redescendre. Quoi. On se recharge. Ah ben c'est totalement ça. En plus, vraiment, ce type de musique, ça ne peut être qu'une musique de partage. Ouais. Mais c'est peu de le dire. Quoi. Qui se dégage de là et de là, ouais. Qui est phénoménal quoi. Ben oui, merci. On prend plaisir simplement, vraiment. Enfin, c'est de garder une forme de spontanéité, vraiment, ouais. De plaisir communicatif. Hein, c'est vraiment ce qui tend toute l'année. Vraiment, tu vois 150 personnes à motiver, il n'y a que l'énergie positive qui peut les motiver. Donc cette énergie-là est vraiment très constructrice, tu vois. Alors, au sein d'un répertoire gospel, par exemple, il va y avoir des vieux chants, des traditionnels, du moderne, des choses plutôt a cappella, enfin, vraiment l'éventail le plus large possible. Et puis aussi, on a aussi une démarche aussi
de faire découvrir ce répertoire-là. Parce que c'est vrai qu'en France... Oui, on ne connaît pas très bien. Happy Day. Oui, voilà. Owen the Sense, etc. Il y a vraiment, grosso modo, 8 chants que tout le monde connaît. Donc on essaie, on propose autre chose. Le cœur est vraiment ouvert à tous. Il n'y a aucun professionnel. C'est vraiment des gens qui viennent juste pour passer un bon moment. Notre but du jeu, c'est vraiment, vous venez répéter qui vous soyez devant le mardi, on passe un bon moment, on apprend des chants. Et le but, c'est qu'on fasse un spectacle le plus beau possible. Voyage, hein. Ben oui, et encore il a fallu choisir, ben oui, dans ces là, on garde la crème de la crème, c'est comme ça. Merci encore pour votre fidélité, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.